Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui je fais une vidéo vite fait, bon il est minuit passé, c'est pas grave. Et on va parler de Poupini parce que je suis allée dans le top et j'ai remarqué qu'elle était pas là. Donc au début je me suis dit ouais c'est juste qu'elle est pas active en ce moment. Du coup j'ai décoché la case pour vérifier et effectivement elle n'apparaît pas dans le top. Du coup je pense qu'elle a été bannie temporairement parce que je me suis dit bon on va aller vérifier son que fais-tu. J'ai tapé Poupini dans les amis et bah vous voyez elle est pas délétée ou quoi, donc je pense que voilà c'est pas voilà, je pense que c'est juste un banni, enfin un ban temporaire en allant dans son livre d'or. Bah il y a pas mal de gens qui s'excitent comme d'habitude quand quelqu'un est banni, on s'excite dans son que fais-tu, surtout si c'est quelqu'un qui a autant de level qu'elle. Et du coup en regardant un peu dans son livre d'or, honnêtement j'ai rien trouvé de spécial, parce que des gens qui disent voilà qu'elle est bannie sûrement 3 ou 7 jours. Moi je pense qu'elle a dû être ban 3 ou 7 jours effectivement, pas plus. Il y a même un commentaire qui m'a fait assez rigoler, c'était celui où je sais plus qui disait qu'elle avait été ban parce qu'elle avait pas pris son pack de la semaine. C'est pas cool les gars. Mais bon, c'était rigolo, c'était pas méchant. Et bah voilà, après avoir fait le tour de son que fait-tu, enfin pas de son que fait-tu mais de son livre d'or, bah il n'y a rien de concluant. Du coup j'étais allée voir quand même checker sa chaîne YouTube pour voir si ça en parle. Elle a mis une vidéo il y a pas longtemps, qui date de 2 jours. Et dans les derniers commentaires bah il n'y a rien, il n'y a personne qui parle de ça. Mais bon je pense que ses commentaires sont soumis à approbation, donc elle ne les valide pas. Et les derniers datent d'il y a 2 jours. Alors honnêtement moi ma théorie c'est juste qu'elle s'est fait ban un peu comme moi, la con des gens qui auraient signalé sa chaîne ou quoi. Parce que de toute façon des haters il y en a partout. Donc c'est pas grave, peut-être qu'elle a mis une info. Enfin moi je me suis fait bannir, pas, enfin le ban n'était pas justifié. Mais ils m'ont quand même dit fais attention, voilà t'as quand même ton Insta, tu devrais pas. Donc fais gaffe à ça la prochaine fois. Donc peut-être voilà, elle a peut-être partagé un de ses réseaux sociaux, mais apparemment ce serait interdit par MSP. Un truc tout con, je pense pas que ce soit le genre de personne à insulter ou quoi. J'avais même checké ses friends et son petit ami sur sa page, y a rien à propos d'elle. Donc ça c'est cool de la part de ses amis qui n'ont pas balancé rien. Ils sont restés quand même assez, voilà, assez discrets là-dessus. Donc voilà, bon, bah, si vous avez une théorie ou quoi à partager, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Comme j'ai dit tout à l'heure, bah, moi je pense juste que c'est un ban tempo et qu'elle reviendra dans 3 à 7 jours. Donc pas de panique. Pas de panique, vous inquiétez pas, c'est comme pour moi je pense, un petit ban, voilà. C'est pas bien grave, ou peut-être voilà, elle fera comme moi et contactera la modération. Bon, je les avais contactés, ils m'ont quand même débanni, hein. Donc je pense qu'elle peut-être elle fera pareil, et après voilà, c'est 2-3 jours, hein, à la limite, hein, on s'en fout. Elle reviendra, vous inquiétez pas, enfin du moins je pense, et du moins je l'espère en tout cas pour elle, parce que ce serait dommage au level 101 de se faire bannir, et franchement ça m'étonnerait, parce que malgré les rumeurs ou quoi, j'ai quand même pas mal de gens qui disent qu'au final elle est quand même sympathique. Donc ce serait dommage pour elle, voilà, moi je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour vous dire ce que vous en pensez. Moi je vous lèche, à plus, dans le bûche.